Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Jardin des Bulles pour partager encore une fois cette semaine un coup de cœur attribué à une enfant du pays, Juliette Fournier, qui est d'Aradon, qui s'est associée depuis plusieurs albums avec Jean-Gaël Deschards. Ils sont à la fois scénaristes et dessinateurs, ces deux jeunes gens, et ils nous entraînent une fois de plus dans un album format franco-belge, avec un petit côté graphique, animation, manga, voilà. Semi-Deus, c'est paru chez Vent d'Ouest. Alors, Semi-Deus, ça parle de quoi? On va se retrouver dans un royaume, les récoltes ne donnent plus rien, on est presque à la limite de la famine, et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Asmodée. Et Asmodée, ses parents n'ont d'autre choix que de la vendre à la reine Bérénice, la reine du royaume, qui recueille des enfants perdus ou des enfants qu'on lui vend. Et figurez-vous que ces enfants, eh bien, elle en fait des semi-déus. Les semi-déus, mais qu'est-ce que c'est? C'est des enfants qui ont certains pouvoirs. Certains ont le don de dupliquer les choses. D'autres vont pouvoir se rendre invisibles. Et Asmodée, elle a le don ultime de pouvoir se métamorphoser en ce qu'elle veut. Mais v'là-t-y pas qu'un jour, des enfants disparaissent et que le prince Méridan du royaume d'à côté débarque chez la reine en lui disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Pourquoi ces enfants disparaissent? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... » Il va soulever là un loup que la reine Bérénice, ça l'arrange pas trop vis-à-vis des autres pays qui l'entourent, de savoir ce qu'elle fait, pourquoi ses enfants meurent, dans quelles conditions ses enfants sont élevés, etc. Elle va utiliser son atout majeur qui n'est autre que Asmodée. Le reste de l'histoire, je vous laisse le découvrir dans ce superbe tome 1. On a vraiment hâte de découvrir la suite de cette aventure. Une aventure qui mêle complot, magie, super pouvoir et qui nous fait réfléchir sur les apparences. Voilà, je vous invite à gagner cet album avec la question de la semaine. Dans un précédent album, je crois même que Juliette Fournier a réalisé cet album en tant que scénariste et dessinatrice. Vous allez remonter le fil du temps. Dans un précédent album, elle avait un personnage qui était à la recherche de chimères. Voilà, ce personnage bossait pour un certain professeur. Je vais vous demander le nom de l'album et évidemment le nom du professeur, sinon ce serait pas drôle. Le premier ou la première à répondre à cette superbe question pour gagner ce superbe album va tapoter la réponse avec ses petits doigts boudinés sur son clavier, sur l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran, aujardindesbulles@orange.fr, et gagnera donc Semi-Deus, paru aux éditions Vent d'Ouest, par Jean-Gaël Deschards et Juliette Fournier. Avant de vous quitter, je vous recommande bien sûr de nous rejoindre ce week-end, le 2 et le 3 mars, au Parc Expo de Vannes pour la convention de tatouage et bandes dessinées. Vous pourrez découvrir tout le programme sur vannetatouage.com, les 35 auteurs que nous avons invités, les spectacles, les animations, etc. Et même acheter vos places en pré-vente. On est impatients de vous y retrouver. C'est ce week-end, le 2 et le 3 mars. On vous y attend déjà et on est ravis de pouvoir accueillir tous ces auteurs. Je vous invite vraiment à aller voir le programme de cette nouvelle édition qu'on a concoctée pour vous.